lorsque vous savez que ce train chemine entre Nice et Digne depuis 1880 et qu'un tel incendie et incident n'était jamais intervenu, je peux comprendre que ni les géologues ni les experts ne peuvent imaginer qu'il y ait un endroit où puisse débouler un rocher d'une telle importance contre une rame de train. Maintenant, il y a une enquête, une expertise des services de la police judiciaire, de la gendarmerie qui auront à déterminer si cet endroit aurait dû être plus protégé que de normal. Et bien évidemment, il faudra en tirer toutes les conséquences.